Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom, c'est l'épisode 2 Elite Dangerous Horizon, dans lequel nous allons aller livrer quelques équipements de survie, donc 72 unités d'équipements de survie, à la Ashton Colony. Mais avant ça, j'ai envie d'aller voir si elle n'est pas trop loin de l'étoile, que ce soit rentable au niveau de tout ça. Ashton Colony, j'ai pas vu exactement où c'était, mince, c'était Windrive, je sais pas quoi. 9 années-lumière, est-ce que vous la voyez? Malayamata, ça devait pas être loin en fait normalement. Ah, ça me l'a pas... merde. Ça me l'a pas choisi, c'est mal fait... Ah si, elle est là, pardon. Excuse-moi, c'est moi qui suis stupide. Excusez-moi, acheter des 121 crédits, c'est bon, je peux permettre de me les offrir. Ashton. C'est à 138 SL, et bah écoutez, pour moi, c'est tout bon. On va l'acheter, hop. On va aussi prendre ensuite celle-ci pour Malayamata. On va faire les deux quêtes, on va aller les emmener toutes les deux, pardon. Et ensuite on va ramener tout ça ici. On va ramener nos fesses ici, on n'a plus la place pour le faire, d'accord. Ok, pourquoi pas. Espace requis dans la soute, très restreint. Why not. Donc ici, c'était à Windry, si je me trompe pas le nom. Donc si on peut regarder vite fait si on a autre chose, hein, pour une autre... Pour notre faction, récupérer une unité de marchandises suivante, électronique, grand public, donc alors, ça c'est de la contrebande, donc ça m'intéresse pas. Ok, nous sommes actuellement donc 76-74, en espérant monter un petit peu. Crac, bah écoutez, on est prêt à partir, il y a un saut à réaliser, on y va. Donc le FOV est resté, c'est parfait. Dites-moi ce que vous en pensez, si oui ou non il est trop important, si vous voulez que je ravance. J'étais à 56, je peux aller à 66 si vous voulez juste gagner 10, ça me fait monter de 4 devant. Donc je sais pas à quoi ces données correspondent, j'imagine que c'est un zoom par rapport à une donnée de base, tout simplement. Hop. On peut se permettre de rentrer le landing gear. Ok. Ok. Hop. On se rentre. Voilà, on est bon, on accélère. C'est pas un problème en soi, normalement. Oh, on a une... Ah, on va essayer de se le faire, ça va nous faire peut-être un petit truc. On va peut-être y gagner un petit truc. Alors moi, personnellement, j'aimerais modifier légèrement le mode de comment ce qu'ils utilisent pour les scans. C'est-à-dire, en fait, nous mettre en recherche d'un objet. Et en fait, que chacun des objets vous donne une chance. Vous voyez ce que je veux dire? Je l'ai raté. Seriously, je l'ai raté. Oh la gueule. Ça devait passer juste, mais bon. C'est pas grave. Oui, voilà. Donc, par exemple, je peux scanner un FSD en recherche de ça. Et en fait, suivant la rareté de la chose, ça me le donnerait. Je trouverais que ça se rendrait peut-être le farm un peu moins pénible. D'être sûr qu'on peut tomber dessus, en fait. Vous voyez, ça permet d'être sûr qu'on va tomber dessus à un moment ou à un autre. Après, ça dépendra de notre chance. Maintenant, ça change pas énormément de tout ça, c'est juste que ça rassure le joueur. Parce que des fois, nous on cherche et on trouve jamais. Arsenic. Bref. Ok, d'accord. Pourquoi on passe par G-Wall? L'objectif, c'est pas G-Wall. C'est Windry. Si tu me chies. Je comprends pas là, pourquoi il m'a changé ça d'un seul coup. Hop. Parfait, on y va. Crac. Attention, c'est un système anarchique, Windry. Donc il y a du danger. Il y a du danger. Bon. Why not. On n'a pas regardé par contre la distance par rapport à la deuxième mission. Qu'on n'a pas pu prendre, c'est pour ça qu'on l'a pas regardé. Je comprends mieux. Puisque moi c'est ce que j'avais prévu de faire en fait dans le début de l'épisode. Avant de commencer le tournage. Donc voilà. Ok. Pourquoi pas. Why not. Remarque, si ça va assez vite, on devrait être en mesure de gérer notre affaire. Nous avons dit 74... Ah tiens, on a baissé d'un cran. Là autre chose. Alors. Hop.
On se dirige par là. Oula, tu te calmes niveau vitesse. Hop. Doucement. Crac. On a personne qui nous suit, c'est plutôt une bonne chose. Alors. Voilà. C'est quand même sympa de pouvoir voir un petit peu l'intérieur du vaisseau. J'espère qu'un jour on pourra s'y balader. C'est vraiment une de mes plus grandes espérances vis-à-vis de ce jeu. Même si à l'heure actuelle on sait tous que le jeu n'a pas de volonté de se balader, de faire ce genre de choses pour l'instant. Alors, c'est bon, on y est presque. Oui, parce que pour l'instant, il n'y a aucune utilité à aller se balader dans le vaisseau. Cependant, moi, ce que j'aimerais bien voir, par exemple, c'est quand on arrive dans une station, c'est un tout petit détail, c'est juste une légère animation. Le mec vient se poser dans son siège. Parce qu'on arrive, en fait, on arrive dans le jeu, on arrive déjà assis dans le siège, prêt à partir. Non, un petit peu de lore, un petit peu de background, un petit peu de RP. Ça fait pas de mal, c'est un petit détail, ça se joue sur quelques secondes. Moi, ça me ferait plaisir. Et limite, vous le faites au passage à activer dans les fonctions. Moi, voilà, c'est tout ce que je demande. Un petit coup de RP par-ci, par-là, comme ils ont fait avec les visages des PNJ. Je trouve ça génial, moi. Alors, où est cette... Hop. Piste d'atterrissage numéro 3. Ça doit être celle-là. Ok, en douceur. Hop. Voilà, c'est parfait. Hop, en douceur. Allez. Hop, parfait. Service, c'est pas besoin de rentrer, on n'a pas eu d'attaque, on n'a pas subi d'attaque ni rien. Jusque là, on est plutôt safe, c'est plutôt bon. Alors, cette mission. Est-ce qu'on va passer à Amical bientôt? C'est ça l'intérêt, ce serait de savoir si oui ou non on va passer à Amical bientôt. Ça me ferait plaisir. Même si apparemment ça va pas donner beaucoup plus de missions que ça. Ah merde, j'ai pas regardé le truc. C'est pas grave. C'est pas grave. Est-ce que vous avez quelque chose à destination de Dessia, récupérer des unités. Donc ça c'est de la maths, c'est du comment, de l'interdit. Ah, fédération. Écoute, prenez mes crédits, y a pas de souci. Hop. Voilà. Y a pas de souci. Cordial, pourquoi pas. Tracteur de minerai, j'en ai pas, je suis désolé. Ok, et ici, y a rien à destination qui m'intéresse. Ici, non plus. Ok. Retour à Dessia. Hop. Crac. Non, j'ai rien à rendre de ce côté-là. Ok, parfait. On y retourne, on va choper la deuxième mission. On va aller se la faire dans la foulée. On était à 75 quelque chose, 75, 74 je crois de mémoire. Hein. 75, 75, bon bah écoutez, why not. Hop les, on a failli se bouffer la lumière. On booste et on se barre. Dans 3, 2, 1. Ah, on peut toujours pas booster donc c'est là. Voilà. J'ai mal compté. Ok, on a un... D'accord, on l'a raté malheureusement. Malheureusement on l'a raté, parce qu'on a rendu déjà la... Je peux pas discuter, ok.
Ok. Bon, ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien. On va pas se plaindre. Hop, on va essayer de se rendre là aussi, encore une fois, à Gare et Terminal. Qui est encore une fois derrière nous. Ou presque. Je vais juste aller supprimer ça. C'est pas genre quelque chose que j'ai déjà fait, ça? Ah oui, c'était là. D'accord. Oula, mince! J'essaie de freiner à max, mais... Hop, voilà. Nous avons le plaisir de vous informer que votre réputation auprès de la faction Windry & Co. s'est améliorée et que vous êtes désormais populaire. D'accord, accomplissez d'autres opérations pour notre compte, d'accord. Ok. Parfait. Merci. Yogi qui est en jeu, d'accord. On va essayer de se retrouver devant. Hop. Si on n'est pas très très loin, cela dit, donc ça devrait aller. Voilà, on l'a juste loupé un tout petit peu. Donc c'est parce qu'on a vu la réputation qui a changé. Alors un problème de notification, vous avez pu voir, mais ça va être résolu rapidement à mon avis avec un petit fixe. C'est-à-dire que la notification est arrivée en plein milieu des autres, et pas tout en haut. Bon, c'est un détail, hein. C'est un simple détail. Ce qu'on peut faire d'ailleurs à ce sujet, c'est tout simplement... Hop, voilà, on s'embête pas. On supprime toutes les notifications, comme ça les nouvelles arriveront et seront rapidement trouvées. Trouvables et trouvées d'ailleurs. Ok. Alors, Garé Terminal. J'aimerais bien qu'on grimpe un petit peu au niveau de ces rangs majors, c'est bien, c'est un peu, c'est le 6ème, il nous en faut le 12ème, cela dit. Donc il y a du temps. Hein. Il y a du temps. Surtout que je crois qu'on débloque rien avant le... Attendez. Oui, je suis là. Hop. Ok. C'est dans le sens inverse, donc ça devrait être par là. Ok, 2-6, Roger. Ça devrait être celui-là. Alors, c'est par où? C'est par là, je l'ai vu. Ok. Ok, on n'est plus en excès de vitesse. La correction de la rotation va se faire toute seule. Voilà. Si on peut éviter le scan, ce serait pas plus mal. Hop, 26, s'il vous plaît. 31, 26, c'était ici. Landing gear deployed. Hop. Est-ce que vous êtes sûr d'avoir l'autorisation d'être à l'intérieur de la zone de dock? Non? Dommage. Oh! Le jeu qui chipote. Le jeu qui chipote. Service de spatioport, on avait une deuxième mission à prendre. On va aller la prendre. Ça nous coûte un petit peu d'essence, mais c'est rien de bien méchant. Donc on a pu voir en fait qu'il y avait plusieurs fois la faction Fédération dans la zone de mission précédente. Du coup ça veut dire que quand on travaille pour les autres factions, on ne travaille pas pour la Fédération. Et là c'est intéressant, parce qu'en fait on se rend compte que du coup, on n'est pas forcément au meilleur des endroits du monde s'il n'y a qu'une seule faction qui travaille pour la Fédération. Mais bon, on peut pas faire autrement pour le moment. Donc c'est à nous de faire quelque chose. Juste pour voir, qu'est-ce qu'il demandait comme ressource? Qu'est-ce qu'il demandait comme ressource? Des fois qu'on en trouve en fait suffisamment à la station prochaine. Semi-conducteur et Indit. 24. Alors attendez, je vais noter ça quelque part. Hop. Alors, j'ai plein de merde sur mon tableau. Crac.
Parce que je parle tellement que j'oublie ce que je suis censé faire. Donc, bon. Alors, nous y donc. Semi-conducteur fois 24. Et donc, indit, ou indit, je sais pas comment vous voulez le dire, fois 10. Parfait. Ok. Si on peut ramener ça sur place, ce serait parfait. Donc, on a la mission, on n'a pas le tableau de mission, on a, hop, Malayamata, voilà. Ok, on décolle et on repart. Je peux bien la faire pendant cet épisode, pas de soucis. C'est semi-conducteur et une bite, d'accord. Vous voyez, j'avais déjà oublié limite. Pourtant, j'ai une mémoire qui est loin d'être mauvaise, mais quand je parle beaucoup, en fait, j'ai du mal à fixer mon attention comme je le fais habituellement. Alors, ok, allons-y. Un atterrissage sorti, rentrez maintenant. On boost. On boost. Oula, il y a eu un... Ah d'accord, c'est le flash du... Ok. Hop. Alors. Four, three, two, one, engage. Oh! Hop. Bon. En espérant qu'on trouve les trucs dans le marché, ça nous ferait un peu plus d'argent, ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Maintenant, faut trouver la zone de mission. Et là, ça va être un petit peu plus délicat. Non, ça va trop loin. C'est pas trop loin, même si on est dans la mauvaise direction pour un départ. On va baisser légèrement la vitesse. Hop. Elle est de l'autre côté du soleil, donc c'est pas vraiment un problème. On va pouvoir recharger un petit peu nos batteries et économiser quelques crédits sur le plein. Hop, voilà. Hop. Et on est parti. Hop, en douceur. Pas besoin d'aller trop vite. Ce serait stupide. À l'heure. Crac. Par principe, par pure beauté de la chose, j'allume mes phares. Je supprime les orbites. Hop. Waouh. C'est joli. Bon, malgré qu'on est juste à côté, forcément, une zone ciblable, c'est dommage. C'est véritablement dommage. C'est une voie commerciale, donc d'accord, donc normalement il n'y a pas grand chose dessus à part des restaurants, hein, des restaurants et des zones de parking pour les couchettes. Les camionneurs qui sont dessus tout le temps. Non, en fait pas quand même, mais c'est une coopérative. Donc c'est sans doute une zone agricole. Ce qui est étrange, c'est de voir des zones d'extraction de ressources, mais bon, le fait qu'ils soient pauvres en fait influe peut-être sur la chance, sur la dénomination de la zone. J'imagine que potentiellement. Avec dans les sites d'extraction de ressources, ça avait rien dedans. La dénomination du système peut changer, j'imagine. En tout cas, je le vois comme ça. Quoi qu'il en soit, nous allons arriver bientôt. Hop, on va se remettre dans l'axe comme il faut. Peut-être baisser légèrement la vitesse. J'ai peur d'arriver en mode gros bourrage. Et par souci de commodité pour cette la découverte des commandes, les distances entre les astres et le point d'atterrissage pour savoir si on est en fait devant ou derrière, mais en l'occurrence je pense qu'on est plutôt devant. Hop, on remet l'orbite. Hop. Voilà. J'essaie de centrer en fait la station et la planète. Oh oh. Oh 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 oh. Regardez-moi ce talent. Hop là. On est trop bon. Alors.
Ah bah oui, mais si c'est au nom de la démocratie. Oui, bah je me doute. T'es drôle, toi. C'est débile de lancer la mise à jour maintenant. Ça doit être un bug, je présume. Oh bah vous avez échoué. Pas terrible. Bah tu parles, va te faire entuber hein. Hop, je freine un gros coup. C'est un peu pute ça, franchement je vais vous dire honnêtement chers amis, je trouve ça un peu pute hein. Surtout que c'est pas la première fois qu'il me le fait ce coup là. Et honnêtement, oui c'est un peu débile hein. Surtout que je fais au plus vite hein. Je fais littéralement au plus vite hein. Vous avez pu voir que j'ai pas attendu, j'ai pas perdu de temps. Oh non, là je trouve ça un peu vilain même, je dirais. Vilain à ce point-là. Heureux, chers amis, désolé, un petit bug de tournage, heureusement que je l'ai vu. J'espère que ça a tourné. Oui, normalement ça a tourné ce qu'il faut. Ça a dû parce que je l'ai vu tout à l'heure en hop, voilà. Bon, je trouve ça un peu pute par contre au niveau, je sais pas trop ce que ça a... Oui, je sais pas trop où est-ce que ça a coupé en fait. Donc je trouve ça un peu pute au niveau du changement de truc là, mais bon, c'est comme ça. Hop. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Hop. Hop, voilà. Je me note comme quoi j'ai eu un bug, comme ça je vais savoir comment reprendre. Ok, service de spatioport. Par contre du coup je pense pas qu'on va avoir un marché là-dessus. Faut pas se voiler la face. Marché, à quoi que, j'ai rien dit. Faut qu'ils aient de l'indit. Du coup, faut que je retourne mon truc encore à nouveau. De l'indit et des semi-conducteurs. Écoutez, on va bien voir, hein, avec un peu de chance. Avec un peu de chance. Alors. Dépêche. Dépêche, dépêche, dépêche. Eh B. Souvent, quand c'est aussi long, ça me met déconnexion du serveur ou un truc comme ça derrière. Alors. Non, c'est bon. Quoi? Ok. On est toujours cordial, on est toujours que cordial. Si vous avez un statut amical envers une surpuissance avec laquelle vous améliorerez plus rapidement votre présentation pour la dernière. D'accord, à l'inverse, si votre impression de retrouver en caché, cela se fera plus lentement. D'accord, et bah écoutez, jusque là, j'ai pas de problème avec eux, moi, donc y a pas de souci. Hein. On a de la Fédé par contre là-dedans. Zhangfei Desia. En train de récupération pour une raffinerie. Il est possible que. D'accord, ok, c'est bizarre, j'aime pas ça, à vrai dire. Ici, est-ce qu'on a du Desia? Oui, mais c'est pas intéressant. Ici, est-ce qu'on a du Desia? Oui, mais c'est pas intéressant. Ok. Marché, semi-conducteur et Indit, donc. Là, je peux acheter ce qu'il faut. 24, tu m'as dit. Crac. Semi-conducteur. Indit. Ils en ont pas. Ils en ont pas du tout. Oui, effectivement. Demande, ils en demandent, mais ils en ont pas. D'accord, bah écoutez, on en a déjà une partie, c'est déjà pas mal. On va se rentrer sur Desia. Hop. Crac. On décolle. Et on va aller rendre ça. C'est parti! Hop. J'aime pas quand ça me tourne autour comme ça. J'aime pas du tout. Bon, c'est pas grave. Pousse, je passe. Hop. On y va. On rentre Bercail. Hop. Signaler les crimes à mon encontre. Oui, ça me semble logique. Alors, hop les, c'est parti. Ho! Bah bah bah. On s'en sort plutôt bien. Techniquement, l'espèce de truc palmaire là au milieu n'est pas bon. Parce qu'on n'appuie pas avec le bas de nos doigts, je comprends pas. Enfin, je comprends pas le principe en fait. Alors, décide, on était au bon endroit en fait pour une fois. Gare et terminale.
Hop, on est dans la bonne direction, c'est parfait. Ou presque, en tout cas. On l'avait en face, dans une zone plus ou moins large, en face de nous. C'est déjà ça de prix, c'est déjà ça de prix. Alors. Hop. Je sais pas combien de temps dure cet épisode, mais je crois qu'il est assez long. Hein. J'aurais dû regarder le temps. Je crois qu'il est assez long. Entrepreneur 46, 39, 25, ça n'a pas changé, 75, 75. J'espère en tout cas qu'on va gagner un petit peu ici. Alors. J'aimerais bien monter allié avec la fédération, ça pourrait être sympa aussi. Hein. Ça pourrait être carrément sympa. Oui, donc j'avais lancé un truc sur les rangs. Ah, on va avoir accès au Federal Gunship. Chose qu'on n'avait pas avant. D'accord, intéressant. On ne pouvait pas l'acheter parce qu'on n'avait pas le rang. Et à certains systèmes, entre autres. Ok. Faudra que je les référence tous. Directement dans le calepin. Hop. Alors, un instant, on m'appelle. Ah, c'est dingue, des espèces de pubs. Oui, bonjour, je vous appelais pour confirmer le rendez-vous. Allô, vous m'entendez? Bim, raccrochage. Et en fait, non, c'est un numéro à la con qui fait genre, vous avez un rendez-vous avec quelqu'un. Et du coup, voilà, vous êtes niqué. Franchement, ce genre d'appel, ça me saoule. Ok, alors. C'est par où? L'entrée, c'était par là. D'accord, ok. Why not? Ok, allons-y. Flight assist off. Ok. Scan detected. Hop, reprenons. Hop. 37. C'est bon. C'est un plaisir de vous revoir, commandant. Ah, on est copains avec eux. C'est un plaisir de vous revoir, commandant. Ah, j'aime bien quand ça me parle comme ça. Hop. Crac. Hop. Entrée dans le hangar, service de spatioport. Et donc, on va aller leur rendre. Hop, on va faire le plein déjà. Tableau de mission. Ça m'a coûté 17 000, je vais rapporter combien avec ça? J'espère que je vais juste rentrer dans mes frais. Ce serait pas mal. Même si on fait ça plus pour la répute et... Oui, c'est bon. Je pense que... On va rentrer dans nos frais. Hop, accepté. On va faire un bénéfice de 80 000 sur ça, donc ça devrait être plutôt, intéressant. Ok, bon. Du coup, j'aimerais bien que tu me l'affiches, du coup, s'il est complete. Alors, il me l'affiche pas. Tableau de mission, recharge tout, s'il te plaît. Il ne me l'affiche pas, et ça m'embête. Ah, ça y est. Remettre la mission, paf. Voilà. On est toujours cordial, on est monté très très haut, mais on est toujours cordial. Ok, why not? Pourquoi pas? Livrer 8 unités à la station Veli, donc Veli station Brandenstein Mine. D'accord. Hop. Vue du système. Brandenstein Mine. D'accord. Et vous voyez, donc c'est peut-être un petit peu plus loin que prévu. 1800 SL, c'est un petit peu trop loin pour nous. Bon. Eh bien écoutez les amis, du coup, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom. N'a pas trouvé le lien dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bulus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et hop.